Salut à tous, on va faire un test sur Xbox One de Blackout, voilà, nouveau mode de Black Ops 4. Hop, on va montrer ça de suite. Commencer, j'avais déjà montré la version bêta de Black Ops 4. Alors on va vous montrer le mode qu'ils ont fait, le nouveau mode qui ressemble beaucoup à Fortnite ou à PUBG. Hop, surtout à PUBG. Voilà, le mode Blackout. Là ça peut choisir le personnage, je vais vous montrer vite fait, tant que ça se mette, il va falloir les débloquer, ceux-là du jeu, un multi. Là vous reconnaissez le personnage qu'il y avait dans Black Ops 1, si je me rappelle, c'était lui, ouais, c'est ce personnage. On va le prendre, hop, on va montrer, ça, ça va être les cartes, voilà, vous avez les modes, je veux dire, ça c'est les modes, duo, voilà, squad, on va jouer en solo. Déploiement, hop, on va envoyer la partie. Voilà, ça ressemble beaucoup à PUBG pour ceux qui... ils connaissent, c'est une battle royale en fin de compte. Ça fait drôle parce que là d'habitude les Call of, il n'y a pas des grandes cartes, là la carte elle est assez grande, il y a des hélicoptères, des quads. Vous allez voir, je vais vous montrer ça, le temps que ça parte, la partie. Hop, ça fait drôle aussi d'avoir une carte où on est, je crois qu'il y en est 100 sur la carte. Toujours pareil, il va falloir sauter en parachute. Vous allez voir de suite, par contre les parties vont assez vite et tout. Bon, on voit que c'est pas tout à fait au point encore, c'est une version bêta, c'est un petit peu normal. À mon avis, il va falloir pas mal de petites mises à jour parce que ce mode là, c'est la première fois qu'ils le font sur les Call of. Hop, là il y a un petit mode aide au début. Ça c'est pas mal, par contre c'est petit mode entraînement, voilà, pour se repérer. Hop, en attendant qu'il y ait une partie. Ça je trouve ça pas mal. Hop, oui, le petit quad. Alors le quad n'est pas évident à piloter parce que c'est le stick de droite. Ça je trouve pas super. On se croirait sur un halo. Hop, ah j'ai pas eu le temps de prendre une arme. Hop, ce qui est bien c'est qu'on a le temps de faire un petit, comment dire, un petit entraînement. Voilà, le temps de voir comment ça se passe. Hop, il va falloir sauter en parachute. Est-ce qu'on peut voir la carte? Ouais, voilà, on voit la carte. Alors moi je vais aller, hop, je vais aller là. Milieu, bon, je vais sauter quand même. Oui, ça ressemble beaucoup à ces modes là. À Fortnite aussi. Sauf que là il faut pas construire de murs, voilà, des bâtiments. Là il faut faire la guerre et aller dans la zone qu'il faut. Hop. Ouais, graphiquement c'est pas mal, après c'est sûr que c'est pas la claque graphique sur Black Ops 4, j'avais déjà dit en mode solo, c'est un gros point faible je trouve. Donc, surtout quand j'ai joué il y a pas longtemps à Battlefield 5, c'était quand même plus beau. Par contre je vous le dis, ils vont faire le même mode pour Black Ops pour Battlefield 5, le même style. Par contre c'est pour récupérer tout ce qui est par terre, je trouve que c'est pas super. L'équipement ça va par contre pour équiper les armes et tout, mais pour ramasser je trouve que c'est pas le top encore. Hop, je vais récupérer les armes. Hop, c'est quoi ça? C'est ouais, la petite bagnole. Réduction potentielle détectée. Je vous conseille donc, ce qui est bien c'est qu'il récupère, enfin quand on récupère les armes ça se met direct sur les armes, ça c'est pas mal parce que c'est un gain de temps. Hop, je vais prendre celle-là plutôt. Hop, je vais me planquer. Je vais montrer un peu comment ça se passe. Voilà, on a la voiture utilisée. Alors, si on veut l'utiliser. Je sais pas si on l'utilise de suite, je sais pas. Voilà, santé. Hop, ah ouais, mais on peut la prendre direct. Ok. Je vais m'amuser avec. Si j'arrive à passer. Hop, voilà. La caméra c'est pas évident par contre, hein. Alors s'il y a un mec pas loin, je sais pas si on peut tirer dessus. Non on peut pas, qu'est ce qu'on peut faire avec ça? Et on se balade. Ah, je croyais que c'était une bombe. Ouais, c'est pour aller voir s'il y a un mec pas loin je pense, pour détecter ça. C'est pas mal quand vous arrivez à la fin de la partie, quand vous êtes plusieurs, pour savoir où c'est qu'ils sont les mecs. Ça va pas être... c'est pas mal. Hop, voilà, maintenant on va essayer de trouver la carte. Voilà, on est là. Ouais, je suis dans la zone déjà, c'est déjà pas mal.
Ouais, pourquoi il m'a... Par contre, il m'a pas mis où j'étais. Je sais pas pourquoi là. Je vais récupérer le maximum que je peux prendre sur les armes. Hop, on peut l'équiper, voilà, direct. Rapport de situation. Réduction du cercle imminente. Mettez-vous en lieu sûr. Ouais, parce que je suis en train de faire. Alors, alors j'ai un petit peu perdu parce que j'ai joué juste tout à l'heure, vite fait. Hop, je rééquipe un mec. On est combien sur la carte? On est 54 là. On était plus tout à l'heure. C'est normal, elle est morte. Vous voyez, ça ressemble beaucoup à un PUBG. C'est le même style. Hop. Mais sympa comme mode, ça change. Parce que c'est vrai qu'à les Call of, on avait marre un peu de faire toujours des matchs à mort, choses comme ça. Par contre les véhicules, je pense qu'on pourra prendre des hélicos, choses comme ça, j'avais vu sur les vidéos, mais là je sais pas. Avec des quads, peut-être des voitures ou des camions, je sais pas. Hop, ça fait drôle de voir un Call of avec une carte immense. D'habitude on a des petites cartes à vite fait, on se tire dessus. Ouais, graphiquement c'est pas très beau quand même, je trouve quand même qu'avec la 4K, la nouvelle Xbox One X et la PlayStation Pro, et même les PC, on devrait avoir des trucs quand même plus beaux que ça. Hein. Surtout que s'ils font le même mode sur Battlefield 5, à mon avis ça va être plus beau. Et là je trouve que c'est un petit peu dégueulasse, graphiquement. C'était mieux à la route encore, ça va, mais on s'attendrait quand même à mieux. J'avais déjà fait, quand j'avais fait le test de Black Ops 4, j'avais dit qu'il était pas très beau, il était moche même. Mais après ce mode là, ça peut relancer l'intérêt du jeu. C'est un des modes je pense qui va se jouer le plus. Surtout quand vous jouez avec vos potes en ligne, en escouade, ça va être sympa je pense. Surtout qu'il y a beaucoup de joueurs qui aiment bien jouer avec Call of, ça c'est pas mal. Hop, je suis où là? Ouais, je suis là. Ah, je fais attention parce qu'avec les snipers, toujours pareil sur ces cartes là. C'est quoi la deuxième arme que j'ai? Ah, c'est un fusil à pompe. Ah, je me méfie, tout à l'heure là j'avais fait une partie, mais je me suis fait avoir par un sniper. C'est plus facile de sniper avec un fusil snipe. Largage de ravitaillement imminent. Ah, largage de... ah, là aussi il y a un largage de ravitaillement comme sur un PUBG. Yep. Bon, je parle beaucoup de PUBG parce que comme j'y joue beaucoup, je joue beaucoup sur la... Je fais beaucoup de parties en ligne, bien sûr. Comme ça y ressemble beaucoup, ce mode là. Ah, un camion. Ah ouais, on peut prendre les camions. Ouais. J'avais raison. Par contre, je trouve que c'est bien fluide, ça va, ça a l'air. C'est quoi cet hélico là ou l'avion? Ah, je tire pas parce que si je tire je vais me faire repérer direct. Hop. On n'est plus que 32. Hop. Je suis toujours dans la zone. Pour l'instant je suis pas mort. Ça va pas tarder. Je vois où ils sont les mecs. Ah, j'attends de tirer. Dans la baraque peut-être, je sais pas. J'attends de tirer mais loin. Je suis dans la zone. Alors ils sont où les gars? Après les sensations, c'est sensation de... Enfin le gameplay c'est... C'est typiquement un Call of. Hein. Voilà. Ça qui est bien par contre. Après ça va vous changer parce que si vous avez l'habitude de jouer à Fortnite, voilà. Ou à PUBG, c'est sûr que c'est pas du tout pareil. On s'y perd pas trop, ça va. Si vous avez l'habitude de jouer à ces jeux-là, vous serez pas perdu. C'est
un copier-coller presque. Sauf que là, on peut pas couper d'arbre. Il y a un quoi là-bas. Dommage, j'ai pas un fusil snipe moi. Alors là, les mecs, ils sont mis avec fusil snipe au-dessus, pas de caca. Comme par hasard, je fais la seule partie où je trouve personne. D'ailleurs, j'ai fait une partie où j'ai trouvé plein de mecs. C'est tiré dessus. Et là, comme par hasard, je fais le test, je trouve personne. Quand même bon mal. Hop, on va faire un top 1. Ça va faire drôle maintenant de dire ça sur les Call of. Dire, on fait un top 1. Hop. Un hélico. Là-dedans. Merde, quoi, j'ai eu peur, je croyais qu'il y avait un mec. C'était moi qui ai bougé. Réduction du cercle imminente, mettez-vous au lieu sûr. Je sais pas ce que c'est ça, c'est l'hélico là. Ils disent de mettre en lieu sûr. On a l'impression de jouer un Far Cry. Ça fait bizarre. Ok, je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Hop. C'est un peu à me voir ce qui se passe en bas là. Hop. Alors, ils sont où les mecs? Ah, ça par contre, ça, ça va m'aider. Ça, c'est important à prendre. Hop. Je vais vous dire pourquoi. Hop. Hop, voilà dessus. Voilà, utiliser, c'est des... c'est un renforcement. C'est un principe, ça dure pas trop longtemps. Je crois 12 à 3 minutes. Hop. C'est des renforcements qui servent à équipement. Enfin, un équipement qui va vous servir pendant 2 ou 3 minutes. Avoir plus de boost, des choses comme ça. Ça, ça sert beaucoup. T'es à la carte, on est plus que 18, mais... de toute façon, ça va se passer ici, je pense. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? On y va pas? Bon, allez, on y va, on est taré. De toute façon, ça, on s'en fout. C'est pour faire le test. On se fait tirer dessus. C'est pas grave. C'est le but. Alors s'il y en a qui sont placés là-bas, on est mal. On est mal, on est mal. Je vais me planquer en attendant. Il y a un camion. Attention, qui passe. Réduction supplémentaire attendue. Il y a deux camions là-bas. Une zone de sécurité. Je vais leur tirer dessus, je m'en fous. Où c'est qu'ils vont? Où c'est qu'ils vont? Je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas si ça peut péter, on dirait qu'ils le font exprès, je sais pas ce qu'ils font. Je vais leur tirer dessus. Ouais. Ils se rendent dedans, ils font des courses, je sais pas ce qu'ils foutent. Ah mec, il pète. Merde. Je sais pas où c'est qu'ils vont les mecs. Ah, il y a une moto là-bas, j'ai vu. Ou un quad. Enculé. Ah putain, pourtant j'ai vidé le chargeur. Ah putain, il avait son gilet pare-balle. Ah putain, là, ça se voit que c'est pas un hardcore, hein. C'est un petit hardcore. Ce que je vais faire, je vais mettre un spectateur. Je vais voir ce qu'il fait en même temps. Hop, putain, pourtant j'ai vidé le chargeur. Ah, il est en train de tout me piquer en plus.
Putain, ils sont gelés par balles, putain, j'avais bien vidé pourtant les chargeurs. Hop. Ah, il devait avoir des atouts, je pense. Sur lui. On va voir ce qu'il fait en même temps. On est plus. Ils étaient plus que 14, ils sont. Ah, lui, il a un fusil snipe par contre. Je l'avais entendu, qui est arrivé. Ça se voit que c'est pas. Ça aurait été un hardcore, il était mort lui. Ouais, comme je vous dis encore, c'est pas au point encore, mais c'est déjà pas mal. Après il faut aimer le style, je sais pas s'il y en a que ça leur plaira, parce que jouer à Call of comme ça, moi je trouve ça pas mal. Attention, largage de ravitaillement imminent. Hop, il avance, je sais pas ce qu'il fait. Ah, il va peut-être, je sais pas où il s'est, hein. Où c'est qu'ils sont les trois autres là. Ah, il va les shooter, elle l'a vu. Ah, par contre, l'autre aussi, il a un méga snipe. Il va se barrer, je pense. Alors là, c'était pour vous le montrer, surtout pour vous dire que ça a l'air, c'est quand même pas mal. Ça, c'est pas mal. Il faut attendre, je pense, encore quelques mises à jour pour que ça soit au point. Et je pense que ce mode là va, va surtout bien marcher sur Black Ops 4. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont jouer à ça. Comme ça, en ce moment c'est le mode le plus joué sur d'autres jeux. Je pense que maintenant sur les Call of ça va être ça. Voilà, sur ce coup je vous dis à plus. J'espère que ça vous aura plu. Peut-être je vais le laisser faire le dernier frag. Ah, lui par contre lui il prend bien. Voilà, allez, sur ce coup je vous dis à plus. Ciao. Réduction supplémentaire attendue. Rendez-vous dans la zone de...